Bonjour à tous les amis, c'est Chouglou où je vous embarque pour une nouvelle vidéo. J'analyse, je présente vos chaînes. Oui, je dis bien une nouvelle vidéo. J'analyse, je présente vos chaînes. Tout de suite, en image. J'ai oublié quelque chose, je pense. Place à l'intro. Let's go! Je vous présente E.T., un youtubeur que je veux mettre en avant, ou tout simplement j'analyse, je présente vos chaînes. Tout de suite, j'ai l'honneur de vous présenter E.T., E.T.I., non pas E.T., téléphone et maison. Est-ce que tu te rappelles de ce film-là? Mais là, le plus important, c'est de parler de ce youtubeur tout de suite en vidéo. C'est parti! Accueil, vidéo, playlist, chaîne, discussion, à propos. Oui, ce qui nous intéresse, c'est à propos de ce youtubeur. On constate que la bannière, le logo sont vraiment bien réalisés. Pourquoi ils sont bien réalisés? Parce que c'est un youtubeur qui a quand même 428 abonnés, donc c'est au niveau de sa chaîne. Plus on progresse, plus on avance, plus on se doit améliorer son contenu pour fidéliser son audience. Un petit rappel, n'oubliez pas toujours de ancrer, comme l'a fait notre youtubeur tout en haut, ancrer les liens que vous pouvez trouver à votre disposition pour interpeller d'autres publics, ça veut dire élargir votre horizon de diffusion. Par exemple, E.T. a choisi son lien du serveur Discord que vous connaissez tous, hein. Ne négligez pas ce serveur, il est vraiment excellent et surtout bien adapté pour tout ce qui est gaming, jeux, ainsi de suite. Le plus important, c'est d'installer le lien des réseaux sociaux que toi, que tu as choisi et surtout que tu aimes. On peut choisir Instagram, Facebook, Google+, Twitter. Voilà pour ce qui est pour la bannière. On a fait un petit résumé. Nous passons maintenant du côté du logo. Honnêtement, le logo, il est vraiment superbe. Il ne faut pas rajouter trop de choses. Il faut qu'il soit simple et efficace pour interpeller de l'audience. Le logo, moi je trouve, il est vraiment magnifique. Voilà, E.T. a choisi ce style de logo. Moi je trouve qu'il accroche, il n'en fait pas trop, pas moins. Il est superbe et vraiment, c'est comme ça qu'on peut avoir une chaîne qui progresse à fur et à mesure. Le plus important pour un youtubeur, c'est le cœur. Le cœur de sa chaîne, ça veut dire où il héberge toutes ses vidéos. On constate que les vidéos de notre youtubeur sont bien titrées en grand et surtout les miniatures sont bien réalisées. J'espère que l'algorithme de YouTube fera en sorte de lui donner un peu plus de visibilité pour vous. Et pour moi, bien sûr, il vous propose du gaming. Alors, vous avez la dernière nouveauté qui est disponible sur sa chaîne, bien entendu. N'hésitez pas à aller la visionner et surtout, laissez un pouce bleu et un commentaire pour notre youtubeur E.T. Un nouveau jeu RP. Un serveur Minecraft RP. Foire aux questions, 400 abonnés. Live FR Minecraft. Compilation de kills Minecraft. Le goût de la liberté, série 2. Le goût de la liberté, série RP, scénario 2. Je ne sais pas conduire, Need for Speed. Bien entendu, avec tous les titres que j'ai nommés, vous voyez que la chaîne a plus de 70 vidéos à son actif. Je dis bien, il a plus de 70 vidéos à son actif. Donc, on voit que notre ami E.T. progresse et surtout essaye de percer sur sa chaîne YouTube. Et je l'encourage bien évidemment à continuer et de rien lâcher. On se dirige du côté de la playlist. Alors, à son actif sur la playlist, il y a 7 playlists réalisées par notre youtubeur. Première playlist, autre. Première playlist au titre, bah, tout simplement devant vous, autre. Deuxième playlist, deux potes, un PC. Troisième playlist, Minecraft. Quatrième playlist, série RP scénarisée S2. Cinquième playlist, série RP scénarisée S1. Sixième playlist, Nova Life. C'est pas live, c'est life avec un F. Et dernière playlist, la septième, le jeu qui fait toujours le buzz, Fortnite. Nous avons voyagé un peu sur la chaîne de notre ami. Nous allons passer tout de suite du côté de la description. La description, en fait, c'est un résumé qui explique le but de notre youtubeur. Tout de suite, en image. Salut tout le monde.
Si tu lis cette description actuellement, c'est sans doute que tu es curieux de savoir ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Bref, pour résumer, je fais du gaming, du RP, Minecraft, etc. Voilà donc, je te conseille de regarder mes vidéos pour apprendre à me connaître. Et pourquoi pas, t'abonner si mon contenu te plaît. Merci à toi d'avoir lu cette description. L'occasion à travers cette vidéo que tu as visionnée, j'ai mis en avant notre YouTubeur E.T. Je t'ai intégré le lien de sa chaîne dans la description pour que tu ailles t'abonner et surtout l'encourager à continuer de rien lâcher sur sa chaîne. Si toi aussi tu es passionné ou curieux de connaître cet univers, j'analyse et je présente vos chaînes, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Choublou et surtout de ouvrir l'onglet options et de cocher toutes notifications, c'est-à-dire que tu vas recevoir toutes les prochaines sorties sur ma chaîne. Je fais une grande dédicace pour Werklem, je vous ai laissé le lien de sa chaîne aussi dans la description pour que vous allez jeter un coup d'œil à sa chaîne. Voilà, dédicace à toi Werklem. Il me reste plus qu'à vous dire, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao. Oh c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On est au niveau 15. Oh, 17. Mon arme sera bientôt à 16. 18. Oh la vache, c'est quoi ces zombies? C'est quoi ce truc? Oh là là, niveau presque, presque pas envie de mourir. Let's go. Oh là là, c'est quoi ce truc là? Oh là là, j'arrive. Et niveau 17, 18. Oh là là, 15. Non. Et niveau 15, 16, 17. Oh, on arrive à tenir avec des robots. Et franchement, BO4, mode zombie, il est excellent. Oui, il est excellent. Après le reste, je m'en fous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le mode zombie. Niveau 20, on tient niveau 20 tout seul. Niveau 20 avec les robots. Ça, c'est sympa d'avoir mis les robots qui nous aident. Parce que d'habitude, on joue tout seul. Mais là, il est génial. Et mes amis, je vous invite prochainement pour une petite vidéo BO4 en live. Et comme ça on pourra tenir le maximum de manches. Allez, je vous laisse, à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.